peindrez la queue de l'hôte sur toutes les faces. La recouvrir de fines tranches de poitrine fumée, bien l'envelopper et ficeler le tout. Roulez une branche de thym dans une feuille de laurier et les glisser sous chaque ficelle. Mettre à fondre le beurre, ajouter les carottes coupées en fines rouelles, saler, sucrer, couvrir d'eau froide à hauteur, porter à ébullition et laisser frémir à découvert pendant 20 minutes. Mettre à fondre le beurre dans la cocotte, faire colorer le gigotin de l'hôte sur toutes les faces sur feu doux et dès qu'il est bien coloré, l'enfourner pendant 20 minutes à 200 degrés en prenant soin de bien l'arroser en cours de cuisson. Versez le jus d'une orange sur les carottes confites. Il ne faut pas le mettre au début parce que l'acidité de l'orange empêcherait les carottes de cuire. Voilà. Parsemez de graines de cumin et laissez réduire à sec. Retirez la lotte du four et la réservez à couvert sur une grille. Écrasez les framboises à la fourchette. Ajoutez le vinaigre de vin. Mélangez. Ajoutez l'huile d'olive, le jus de cuisson de la lotte. Filtrez la vinaigrette en pressant bien. Salez. Poivrez. Bien mélangez. Et finir avec l'aneth, le persil plat et l'estragon. Dressez les carottes confites sur le plat de présentation, déposez le gigotin de l'hôte, retirez la ficelle et nappez d'un cordon de vinaigrette aux herbes juste avant de servir. Gigotin de l'hôte, carottes nouvelles confites. Pour 4 personnes, une queue de l'hôte, 8 tranches de poitrine fumée, 300 g de carottes, une orange, 5 framboises, 20 g de beurre, une demi-cuillère à café d'aneth, 3 pincées de sucre, une cuillère à café de cumin, une cuillère à soupe d'estragon, 4 brindilles de thym, 4 feuilles de laurier, une cuillère à soupe de persil plat, une cuillère à soupe de vinaigre de vin, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre du moulin.